C'est dans le but de concrétiser sa vision de la volonté du peuple, celle de son mentor Chérubin Okende et surtout de leur leader Moïse Katumbi, que Papi Mwenze a initié ses travaux d'assainissement de la commune d'Ingaba. Quelques habitants de ce coin louent l'initiative. C'est quelqu'un à féliciter. En tout cas, beaucoup d'encouragement à continuer. Vous voyez, continuer avec beaucoup de respect. Nous serons là pour les soutenir. C'est mieux aussi qu'on travaille dans toutes les avenues, parce que la santé de toutes les personnes dépend de l'assainissement de la ville. Quand la ville est sale, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Et maintenant, il faut qu'on commence à travailler même dans de petites avenues
Et ce qu'on est en train de faire là, c'est encourageant. Je crois que tous les bourgmestres de la ville de Kinshasa doivent emboîter les pas, parce qu'il faut que la ville de Kinshasa soit vraiment propre, et surtout qu'on évite des sachets qui ne pourrissent pas, parce que les sachets causent beaucoup de dégâts à travers toute la ville. Si on freinait l'exploitation ou la vente des sachets, je crois que la ville deviendra plus propre que jamais. Le jeune leader de Ensemble pour la République motive son action. La volonté du peuple, nous prenons le leadership d'influence, le leadership influençable. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes condamnés, vraiment condamnés, de pérenniser toutes les actions que nous entreprenons, quelles que soient les éventualités d'où elles viennent. Nous rappelons encore à l'opinion que nous-mêmes, nous sommes ici d'une école là où on prend la Respublica avec son excellence Chérubin Okende qui prend le leadership collectif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chacun peut s'exprimer de sa manière et à sa hauteur dans l'intérêt de la République. Et par ricochet, nous sommes dans Ensemble pour la République avec le chairman Moïse Katumbi-Tchakwe qui prend le leadership transformationnel. C'est-à-dire, vous avez une vision, vous la dotez de moyens et vous la concrétisez. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée pour nous, dans la volonté du peuple, de passer de la parole à l'acte. Ce n'est pas comme ailleurs, avec des litanies de vœux, mais ici c'est le concret. La maladie n'a pas de prix, comme nous disons. Nous avons deux aspects dans la volonté du peuple, ça c'est le droit et le devoir. Comme dans nos droits, le gouvernement doit assurer la couverture universelle de la santé, mais ça tarde à venir, ça ne vient pas. Alors doit-on croiser le bras? Nous nous sommes dit non. Nous devons nous prendre en charge pour éradiquer la salité dans notre vie quotidienne ici en Ngaba. Dans nos pauvres moyens, une initiative locale, mais avec la volonté, on va y arriver. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons lancé cette campagne de Ngaba propre. Nous à la peine, jeunes, vous avez vu, maman, vieux, et jeunes filles, jeunes garçons, de mettre la main à la pâte pour éradiquer la salubrité hors d'état de nuire dans notre vie quotidienne ici en Ngaba. Ok, mais c'est pour la première fois, bien ça sera continué. Ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, nous lançons la campagne, ça sera continu. Il y a un programme qui sera établi et probablement chaque week-end, on doit commencer à faire le salongo. Parce que, comme je l'ai dit, la salité n'a pas de prix. Ce que nous avons fait ici aujourd'hui, c'est par rapport à une opération locale. Mais si on laisse aujourd'hui, le problème dans notre pays, c'est l'entretien. C'est ça le grand problème. C'est ça, l'entretien et le suivi, c'est ce qui manque. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, si après un mois on n'y passe pas, ça ne servira à rien. On va commencer à zéro. Nous devons garder le cap dans le suivi pour pérenniser l'action que nous avons continuée, que nous prenons dans la volonté du peuple, ce que je viens de dire. Ok, mais on a comme l'habitude de voir même le politicien, tout le monde, de faire des choses pour chercher le voix. Est-ce que c'est vraiment dans les soucis de la recherche de bien-être du Congolais ou bien c'est pour que, quand Papi Mwenze va postuler, qu'ils aient quand même un devoir? Madame, sans pour autant vous flatter, je vais m'incliner par rapport à la volonté du peuple qui est notre slogan. Le problème, c'est que moi je viens de vous rappeler encore une fois de plus, je rappelle à nos opinions que notre objectif c'est pérenniser les actions que nous faisons. Ce n'est pas le leadership ponctuel, c'est le leadership d'influence. Donc quand quelqu'un influence, c'est pour pérenniser l'action. Bien sûr. C'est pas pour son intérêt d'avoir. On va y arriver, on va savoir. Parce qu'aujourd'hui je ne peux pas prêcher sur ma propre chapelle, mais je vous dis que je m'inclinerai à la volonté du peuple. Si le peuple veut porter Papi Mwenze au plus haut du sommet, je vais m'incliner. Ça dépendra de la volonté du peuple. L'actualité l'oblige. Papi Mwenze condamne la loi sur la congolité. Les Congolais attendent mieux. Les Congolais ont besoin de quoi? De l'eau, de l'électricité, de la santé, de l'éducation, des routes, de la propriété et des produits de première nécessité, de la paix et de la sécurité. Mais
quand il y a une loi là où les gens sont en train de se battre au jour d'aujourd'hui pour diviser le Congo, c'est regrettable. C'est une proposition de loi, je peux dire, rétrograde, qui n'est pas opportun au jour d'aujourd'hui. Et je ne sais pas, au XXIe siècle, les gens se battent pour de telles propositions. En tout cas, nous, jeunes tels que nous sommes déjà prêts pour combattre cette loi d'où qu'elle vienne. C'est un concept, je peux ajouter, de vieille école. C'est un concept de vieille école, ça ne tient pas à sa tête. Et vous savez, la personne qui est visée, c'est Moïse Katumbi Tchakou. Je l'ai toujours dit. C'est parce qu'il n'y a pas de répondant de l'autre côté. On est en train de s'attaquer à Moïse Katumbi Tchakou. Il est toujours combattu, mais jamais abattu. Et j'ai toujours ajouté aussi qu'on n'arrête jamais le vent. Et pourquoi je l'ai dit? C'est juste parce qu'il a seulement travaillé dans l'intérêt de la République. S'il y avait du répondant, les gens n'allaient pas s'acharner. Il fait peur parce qu'en face, il n'y a pas de répondant. Nous ne sommes pas de cette école des litanies de promesses. C'est le concret. Dans cette école, nous évoluons avec le chairman Moïse Katumbi Tchakou. Il est fait. Je donne un exemple. Jadis, avec le découpage, c'était taillé sur mesure. La République n'était pas encore prête pour faire les découpages dans ces pays. On l'a fait pour écarter le chairman. Aujourd'hui, combien de provinces sont viables? Deux ou trois seulement. C'est la racaille, c'est la misère totale. Même stratégie aujourd'hui encore, avec les tireurs de ficelle, ils veulent écarter un candidat valable que le peuple, qui crée l'espoir de tout un peuple pour des calculs politiciens. C'est une peine perdue.